Journée mardi 23 avril 2024, la situation qui toujours était très critique dans le pays d'Haïti. Et jusqu'ici, le conseil présidentiel là pour que j'aime qu'arrivé installé dans le palais national. Nèg vivant sans biodi, c'est sous fiel yo, c'est sous entrail yo pour que conseil ça t'a passé pour t'arriver installé. Coup de balle, toujours à faire Nicolas au bon palais national. En haut pas monter, en bas pas descendre. Partisans ak se partisans Guy Philippio di yo même yo pas dans question conseil présidentiel ça. Yo di c'est Guy Philippe qui pour rive installer dans palais national pour venir diriger et pays d'Haïti pendant un mandat de 5 ans. Gros déblos a pété à Yelédia après Leslie Voltaire représentant famille Lavalas dans conseil présidentiel là. Te fin visite palais national a y accompagné ancien colonel Himmler Rebi et pour question sécurité eh bien nèg vivant sambio t'après décider encercler palais national hier en pile coup de balle échange de tir entre la police ak nèg vivant sambio. On conseille nous rester sur vidéo ça jusqu'à la fin pour nous ka connait plus de détails concernant toute actualité yo. Et nous même tout qui apprécie ce travail là pas négliger liker et abonner à channel ça une façon pour nous qu'à toujours être connecté ensemble avec Stars TV. Mesdames et messieurs, eh bien une fois de plus qui frappe la France au point de vue géopolitique, eh bien oui, bon côté représentant russin, lui parler sous même question dette indépendance haïtien sans compter mesdames et messieurs, eh bien dossier justice pour président Jovenel Moïse et puis question carré comme couleur cette tête là, eh bien représentant russin, eh bien, yo même yo opposé yo complètement à question qu'on lève cette tête. Évidemment, nous pourrons voir plus de détails. Donc, mais pour qu'on y a là, pendant qu'on a parlé là, nous apprenons jusqu'à maintenant, mesdames et messieurs, et grand pile tiré, que ce soit à Pétionville, pour pas dire dans plusieurs autres zones. Bagay yo toujours mangomé, mais attention, complot, étant donné que nous avons découvert cette tête là, pas qu'à installer dans le palais, eh bien, il y a un complot qu'a fait là, puis on a installé dans une série de chambres hôtel. Évidemment, m'a salué Salomon, Richardson, Amalik, et puis nous avons un nouveau confrère avec nous là. Monsieur, comment nous est-ce? Bonjour, Jimmy. Je salue Jefferson, Richardson, pourquoi pas Amalik qui est ensemble avec nous. Je dis à ce mardi 23 avril 2024, pendant la palais là, la situation toujours peut être très compliquée dans plusieurs zones en d'enfeuillant. Yo apprend nous Pétionville là-bas, là, fin toyeur, et sans oublier Carrefour aéroport. Eh bien, Jimmy, nous allons entrer avec un pile là, sans oublier, nous allons parler de questions là aussi, à la Chine, qui parlait et au montre pas pour le conseil présidentiel là, qui en pile l'autre pays, il va côté pas au salé. Eh bien, question conseil là, montre, eh bien, là aussi, à la Chine, eh bien, yo tire pièce, eh bien, je vais saluer Jefferson, jusqu'à ce que nous vivons sous Richardson, Amalik, Jefferson, comment est-ce? Bonsoir Salomon, bonsoir et PDG Jimmy, bonsoir Amalik, bonsoir Richardson, bonsoir toutes les amis Mouna Fait Mon TV. C'est un plaisir tout à fait énorme pour nous capables de savoir que les amis ont assuré et Salomon pour nous capables de vous analyser les toutes actualités et tous les points essentiels dans le pays d'Haïti, vraiment dans la politique là pour vous. Salomon Claudie. Richardson? Oui, m'a salué Richardson, m'a salué Salomon, m'a salué PDG Jimmy Nix, m'a salué tout internaute qui a écouté nous sur Moun Afè Bon TV et dans le Sahara, on a dit bonsoir, bonjour, ça dépend à qui l'a écouté émission et nous voyons que au niveau géopolitique donne changé dans le sens que et gagner des grandes puissances pour la Russie, la Chine qui fourrait et qui fourrait on a dossier Haïti à sous plusieurs niveaux, au niveau de restitution de l'argent que la France donne de nous, au niveau de illégalité et couler cette tête là avec un neuf observateur qui pas gagne droit de vote soi-disant non bah, et non décision carré comme non y a un bagage qui tout à fait illégitime et illégal l'organe constitution haïtienne non qui pas prévoit genre de bagage comme ça et nous ouais que gain justement y a une forme de guerre que nous pas que nous pouvons pas qualifier de guerre civile et à gouverner dans pays à balle à tirer effectivement et nous ça qui est plus important pour nous c'est que population civile là pas victime dans genre de guerre ça qui entre la police
et bandit à cravate et bandit à sapa. Richardson? Bon. Et malheureusement, nous perdons Richardson. On a porté tout droit avec information. Yo. Pendant que nous parlons là, nous sommes capables de dire en pile côté. Alors, bon, bonjour. Là. Bonjour. Bonsoir, nous là. On a parlé de plusieurs côtés là qui ont un peu tiré, surtout dans Pétionville. Et nous avons parlé, nous avons appris nous là qui ont un peu tiré. Dans la zone de Pétionville, en pile monde, nous avons un peu tiré. Nous avons parlé de tout, dans le Carrefour, aéroport. Nous avons parlé avant nous être entré dans Micoland. Nous avons dit qu'il y a un peu tiré tout. Dans la zone de Carrefour, aéroport. Et nous connaissons, hier, le journaliste qui a gagné dans la capitale là. Côté après visite, nous avons parlé de l'Esprit Voltaire avec Imler Rubi dans le palais national. Mais mettez vivre ensemble, c'est ça, vous n'avez pas fait. Nous avons dit, comme rapport, mettez amis, vous allez rapporter. Mais ça, vous vivez au niveau des chaînes matin, il n'y a pas quoi, c'est ma trop puissant pour ta installation conseil présidentiel là. Et maintenant, information, mesdames, j'ai plusieurs côtés là, n'a fini avec information ça. De façon, n'a pas de tout droit dans le pays et nous allons parler dans le pays, tonton Sam, nous parler directement dans le conseil de sécurité de l'ONU qui a fait une bonne réunion aujourd'hui là, côté là où ici, à la Chine, ils ont même parlé, mais n'a pas de dans le cas la Chine. Et bien, si là où ici, ils ont l'autre façon, et bien, bon côté paillon, et bien, la Chine allait dans la même direction. Avec la Russie, mais si Équateur, États-Unis, et bien l'autre pays, ils ont félicité le conseil présidentiel là, ils ont bravo, et bien ils ont l'autre bord, nous avons dit, représentant la Chine, qui fait appel avec un groupe expert pour accélérer sur enquête trafic d'armes illicites en Haïti. Mais nous avons besoin d'enquêtes sur le fait que sont des armes qui ont porté en Haïti, mais qui sont des armes avec munitions. Et l'autorité haïtienne, ils ont assumé responsabilité, pour exiger tout département contrôlé, et bien sans aucun lacune. Président Chine, dans le conseil de sécurité de l'ONU, il fait un rapport pour plusieurs fonds nécessaires pour réprimer les examens. Nous avons parlé de la Chine, bon côté parlant, il y a même frappé pied à terre de personnes, mais la Chine est la Russie qui parlait de personnes. C'est la Russie qui parlait également tout Salomon, toujours dans cette question qui a rapport avec le dossier Haïti, la question conseil de sécurité. Fondi, selon autorité suisse, il n'y a pas gagné une solution simple, évidente, dans la crise multiforme en Haïti. Crise là qui vit, qui voit une fusion nombreux et plusieurs facteurs internes et externes qui sortent de divers bords. Claudie Salomon, Fondi représente. Là aussi, il y a quelques questions, conseils que l'autorité de CAICOM vient avec comme solution pour le pays d'Haïti. Eh bien, pas gagner en quelle confiance là-dedans et il pense que pas gagner en quelle crédibilité Salomon dans le conseil présidentiel de Salomon. Eh bien, vraiment, la Russie et la Chine qui allaient à l'encontre de manière contraire avec l'autorité vraiment divers pays de CAICOM. Salomon en avance. Eh bien, là aussi, beaucoup de gens qui parlaient, là aussi qui parlait, ils parlaient des questions, nous avons parlé des conseils présidentiels là. Eh bien, en même temps, ils continuent à demander justice pour le président Jovenel Moïse. Là aussi, ils parlaient de l'histoire de faire avec Haïtien, pas supposé gagner l'autre étranger là-dedans, mais qui sont CARICOM avec l'autre pays qui a fouillé bouché dans le dossier. Hein. Là aussi, ils ont l'autre façon. Et là aussi, qui tapait la France, encore une fois, pour qu'ils sont plus l'argent Haïti gagne en main. Eh bien, nous sommes dire que sont forces multinationales là. Ouais, au passé, même pas parler de ça, parce que ouais, son jouet, mesdames. Et la Chine, à ça aussi, encore une fois, dans son conseil de sécurité de l'Union, ils ont pas être contraire différent avec un pays équateur, pourquoi pas parler États-Unis. Ouais, sinon, on n'a pas ajouté, ils ont pas que ça, là aussi, avec la Chine. Oui, oui, nous avons ajouté, vous nous dites que la Russie qui fait un gros sorti là, qui fait un gros sorti là, ça a passé dans le pays d'Haïti là, où elle même dit consacrer question conseil 7-9-7 là qui dit pas porter solution au pays là, il pas quoi dans ça, et puis il tout avancer tout sur question justice, le président Jovenel Moïse, côté yon ban malandrin mélangé avec
madame Henri Semenoja avec madame Henri sorti dans pays étranger qui fait qu'on peut pouvoir assassiner ou font sortir sur ça sur question justice là en même temps tout qui sont tête qui c'est des qui la France fait pays d'Haïti, il fait gros sortir sur ça. Bon, ce sont femmes de ces pas première fois la Russie a fait des sorties ça. Parce que dans l'esprit, bon, là, si on est bien, on va passer ici. Là, c'est pour ne pas dire que les États-Unis, là, nous, les États-Unis, la France, Canada qui dit tout ça. Effectivement, là, elle fait sortir ça là, nous, quoi, c'est un bon bagage lié. Mais femme de tout, avant, non, on n'a pas de la salle, on a dit, jusqu'à présent, c'est beaucoup de capturer sur Delma. Là, tout Delma, là, qu'on a parlé avec moi. Il y a un gros tir qui est sur tout Delma là, parce qu'on est qu'on a des mâmes qui ont posé là, un gros tir qui est là, tout le monde est dans le caillou, tout le monde est tombé là, il y a un gros coup de bac à tirer là. Mais il faut que sorti ça qui fait là, la Russie ne peut pas gagner ce qui va aller dire dans le conseil de ces 7 têtes, 9 têtes là, la Russie crève et sa population va dire pour Bali. Bon, nous ne gagnons tout ça, nous déjà connaissons, la population a dit que les îles même, c'est là qui Philippe qui est lié, c'est ça, et quand ça va là, il n'y a pas de là. Bon, et alors, nous, au niveau géopolitique, et instance avocat international, tu as supposé voyer une mise en demeure by la France pour profiter de momentum ça. Alors, maintenant, de tout juriste haïtien qui étudie le droit international, yo, côté yo, pour yo chita, pour yo faire une signature collectif, ou pas besoin plus que 1000 monde qui si yon pétition et qui baille moun sa yo, yon mandat pour yo traîner la France effectivement au niveau du droit international, non yon restitution, réparation pour l'esclavage et restitution de 21,9 milliards de dollars avec intérêt, parce que dépend moun, dont moun ou pas payer l'argent, intérêt à monter. Alors, question à poser tête nous, qui moun, grâce à la Russie, qui dénonce bagaille ça, capable prend un dossier ça. L'autre dossier tout, c'est que c'est au niveau de port privé et puis frontière pays d'Haïti, port et aéroport yo, qui côté qui moun k'ap fè zam yo passé, et est-ce que chaque lè nous ta kembe yon trafiquant k'ap fè zam yo passé à travers de endroit ça yo? Pour nous tout à dire nous qui moun qui a acheté Zamio, qui sait ce que c'est bandit, ou bien est-ce que c'est trafic de drogue ça qui a passé dans le port et aéroport nous yo, et puis dans le droit nous yo, qui côté ou à qui moun qui a commandé et Zam ça yo. Donc dossier Zam est très important parce que c'est ça qui est plus important, Zam avec cartouche. Est-ce que n'a pas monté jusqu'à monsieur Sayo qui a commandé Zam Sayo pour mettre des oies dans Haïti? Nous connaissons que Zam yo sorti aux États-Unis, mais qui manufacture Cap Vanier et puis qui monte qui aux États-Unis tout, qui a fait Zam Sayo passer à travers la frontière pour rentrer en Haïti et puis faire nous commencer à suivre les ports privés, parce que ports privés ça supposé illégal, même gens avec un conseil présidentiel là qui est illégal, ont un simple individu pas qu'à gagner port privé dans un pays, son véritable désordre, c'est en tant qu'à interdire bagaille ça, mettre contrôle sous lui, parce que c'est sûr que c'est dans le port privé, la pitoyo et la trier, l'autre port, que Zam Sayo a passé. Monsieur, eh bien, en nous profiter, voilà, en nous faut retourner sur la Russie, mesdames, messieurs, nous avons un extrait pour vous. Je connais que nous tous nous exprimons, nous comprenons moins français. Donc, bon, je vais faire un petit extrait ça, parce qu'il a fait, quand même fait nous plaisir. Dans le même cas de réaction, représentant Ruslan, dans le dossier pays d'Haïti, évidemment, nous pas oublier, nous grattons tout. Sur question de dette indépendance, là, effectivement, il parlait de ça. Quand il y a un dossier qui parlait là, bon, nous prenons pour quelques secondes, puis par la suite, nous-mêmes, nous avançons, nous rappelons que, sous vibration positive, là, mesdames, messieurs, avec Chanel qui est sexy, par contre, si nous avons ajouté, monsieur, avant de prendre vidéo. Voilà, eh bien, mesdames, messieurs, nous partons pour vous, nous partons. Entendez, soyez attentifs, s'il vous plaît. Remercions les directrices exécutives Wally et Catherine Russell des informations fournies également.
le ministre des Affaires étrangères de la République dominicaine et le représentant permanent d'Haïti sont présents aujourd'hui. Nous en prenons note. Comme nous le constatons aujourd'hui, en Haïti, il y a deux réalités parallèles. La première, ce sont les problèmes politiques, les tentatives de se mettre d'accord sous pression extérieure, en se conformant aux paramètres imposés par ces acteurs extérieurs. Le résultat de tout ça, ce sont des accords qui sont renégociés sans cesse et rarement appliqués sur le terrain. La deuxième réalité, c'est la vie quotidienne des Haïtiens, absolument terrifiante. La population haïtienne s'est habituée à vivre dans des conditions absolument inacceptables, sans service de base, sans aucune autorité étatique. Le pouvoir réel, aujourd'hui, se trouve entre les mains des groupes armés qui contrôlent des quartiers entiers dans le pays. Le process politique, quant à lui, n'a donné aucun résultat. L'administration actuelle s'est complètement discréditée. Elle n'a pas souhaité, en effet, enquêter sur l'assassinat du président d'Haïti commis il y a presque 3 ans avec une ingérence extérieure connue de tous. Grâce à cette ingérence, aujourd'hui, la population haïtienne attend le changement en vain. C'est pourquoi certains ont décidé de prendre leur vie en main, se sont organisés pour se défendre. Tout ce que nous disons ici dans cette salle est pour eux déconnecté de la réalité. Nous le comprenons. Le Conseil de sécurité leur semble impuissant et même inutile. La réalité aussi, c'est que la communauté internationale et le Conseil n'arrivent toujours pas à garder à l'esprit en priorité les intérêts du peuple haïtien. Aujourd'hui, nous avons l'impression que la situation est adaptée aux intérêts des acteurs extérieurs, selon leurs critères. C'est l'impression que nous donne le processus qui a débouché sur la création d'un conseil présidentiel de transition. Ces doutes sont alimentés par les exigences que l'on met en avant aujourd'hui vis-à-vis des membres de ce conseil. En effet, on leur demande d'avoir une appréciation positive de la présence étrangère dans le pays. Pourquoi cet aspect est aujourd'hui considéré comme particulièrement important, nous ne le comprenons pas. Nous sommes convaincus pourtant que ce sont les Haïtiens eux-mêmes qui devraient former les structures de transition dans le pays sans aucune ingérence extérieure. Autrement, il ne sera pas possible de stabiliser la situation. Comment donner l'espoir d'une vie meilleure aux Haïtiens dans les conditions actuelles? Hélas, pendant l'histoire d'Haïti, il y a eu beaucoup d'ingérences extérieures qui ont coûté à ce pays des milliers de vies et des dizaines d'années d'instabilité, des milliards de dollars aussi en dédommagement jusqu'en 1947. En effet, le pays a dû verser des dédommagements à la France pour avoir acquis son indépendance. Cela ne semble pas émouvoir nos collègues français aujourd'hui. Pourtant, c'est une situation que les Haïtiens eux-mêmes juge inacceptable. Il en a été question d'ailleurs à l'occasion de la réunion de l'instance permanente des Nations Unies des personnes d'ascendance africaine. C'est dans cette instance que pour la première fois on a parlé des conséquences terrifiantes de la traite qui a duré des siècles durant en Haïti et qui a conduit au pillage du sud global et des populations de ces pays. Haïti est aujourd'hui une des principales victimes de l'héritage colonial et continue d'en souffrir. Haïti souffre des pratiques actuelles aujourd'hui qui se poursuivent encore aujourd'hui et qui se manifestent de manière différente. En effet, plusieurs acteurs aujourd'hui s'efforcent de modifier le paysage politique du pays, de mettre en place des mesures de sanctions unilatérales et d'imposer des solutions extérieures plutôt que d'essayer de trouver des solutions
dirigée par les Haïtiens eux-mêmes. Dans le même temps, il y a un pays qui, il y a plus de 200 ans, avait déclaré que l'ensemble du continent américain était son arrière-cour, pays qui a commis, d'après les informations accessibles à tous, au moins 56 interventions militaires dans des pays latino-américains, dont 4 en Haïti. Ce pays qui n'affiche aucune volonté de régler les problèmes du pays aujourd'hui et qui, bien au contraire, ne fait que les aggraver. En effet, d'après l'ONUDC, les armes qui arrivent en Haïti arrivent principalement depuis la Floride par voie maritime et aérienne. Ni l'embargo, ni les demandes du groupe d'experts du comité de sanctions n'arrivent à enrayer l'afflux de ces armes. Washington les balaie tout simplement d'un revers de main. Aujourd'hui, les États-Unis pourtant évacuent leurs propres ressortissants d'Haïti tout en redémarrant le rapatriement des migrants haïtiens vers Haïti. Il est évident que le sort de ces personnes et le sort des millions de personnes qui se trouvent sur l'île n'intéresse pas les Américains, quels que soient les discours que nous entendons ici aujourd'hui. Quant à la mission d'appui à la sécurité dont il a été question... Voilà, et mesdames et messieurs, je pense que c'est clair, hein, c'est très clair, et nous capables, ouais, eh bien, non seulement pour représentant Ruslan, les frapper et question la France, sous question d'être indépendance, non, monsieur, les aller beaucoup plus loin, là, les pas simplement arrêter sous la France, sous question d'être indépendance, non, les États-Unis, indirectement, Jean qui a parlé, hein, les États-Unis, tout le monde comme ça, impliqué directement dans l'homme au président Jovenel, ça c'est clair, monsieur. Non, li kreye Jimmy, parce que c'est tout le monde connaît la question assassinat de Jovenel Moïse là. Tout le monde connaît, c'est là dans Florida City, au confirme City, et même qui était conseiller des Colombiens. On sait des Colombiens, et là, et City qui était prendre en charge, et fait passer un domaine, et puis tout, c'est là, toute formation d'abat, et puis t'es capable d'assassiner le président. Là, dans Florida, là, nous étions point qu'il y a un groupe n'est pas capable de faire complot, ou bien comploter là, pour une pression au président, pour Américain, t'as là, pour une fois, t'as la Russie, clair, sous ça. Même la Russie, nous, bien, qui nous était déjà connu ça, déjà, mais la Russie, là, nous, gros pays, ça, qui a dit ça dans la figure, gros côté, dit bon, en pile. Et là, nous connaissons un institut qui a fait réunion. En tout cas, nous écoutons notre cabinet qui vient prêter serment pour dire oui ou d'accord pour aller. Dès que vous avez vu mon oui ou d'accord pour assassiner le président, nous sommes tous les qui ont prêté serment dans la réunion. Et là, nous pensons on va commencer à préparer la boîte, mais qui n'est pas connu. Nous connaissons c'est les États-Unis qui ont tout ça qui fait là. Et mélangé avec un bourgeois ou un oligarque qui pas bon ici qui te fait complot pour venir assassiner le président Jovenel Moïse. Bon, ça l'éclair là, nous bien contents d'avoir ici dit ça dans le figure, mais nous déjà contre ça déjà nous-mêmes. Ça non. Alors, donc c'est que nous avons besoin, c'est la Russie, ou du moins la Chine, qui peut essayer de nous dire que question ça lié directement avec les États-Unis d'Amérique. En fait, c'est pas tout ça raison. James Monroe dit l'Amérique aux Américains, c'est de fait, ils ont gagné une sorte de notoriété sous ensemble des bagailles qui a passé dans l'Amérique là. Alors, je pense que Yotabine là, au final avec plusieurs Jovenel Moïse, fini avec lui là, et les questions ça, lui, pas de gagner des forces, du moins, les États-Unis d'Amérique, pas de gagner des informations prépondérantes dans ça qui vivait avec le président Jovenel Moïse là. Assurément, parce que c'est la Russie qui vient de l'île, ça vient de nous plus exos, les n'a pas lié, mais c'est pas un bagage qui n'est pas connu. Je dis à tous les questions et questions cette tête et c'est nous pensons que lui était déjà paraît pour ce qui est anormal, mais pourquoi il est là, la Russie avec la Chine, il vient montrer nous que lui est vraiment nécessaire pour que nous mettions nos comptes question ça, puisque si monsieur Yo qui a essayé de gérer question CPA et vraiment des conseils avec la CAICOM, il y a toujours rentré dans la question ingérence politique dans le pays, il y a imposé nous yon fait qui n'est pas bon pour le pays. Nous connaissons le pays lui-même, il gagne ensemble de lois, il gagne la constitution qui propose, qui définit comment bagaille de fait. Eh bien, la communauté internationale, là, il y a essayé d'entrer dans l'exigence politique pays. Moi, je pensais que cette question, pour que nous allions
de l'autre côté, population andouille là, et monsieur Larissi, il nous parlait que vous gagnez une sorte de confiance que vous faites avec CPSA, qui c'est conseil présidentiel là, qui vraiment pas mal confiance, surtout par rapport avec Jal Monté, il y a des gens qui veulent autrement par rapport avec Sikai, comme si pas les États-Unis, comme vous nous, qu'est-ce que soit le Sikai, comme qu'il soit les États-Unis, c'est tout vous-même, maintenant, et Sikai, comme lui-même, il a fait travail les États-Unis d'Amérique. En fait, on a toujours été dans la même situation, ça, si que ne pas essayer dénoncer ensemble de dérives que communauté internationale a lui-même, il a essayé faire la politique pays a vraiment j'en suis passé et radio a motivé toujours à essayer deal et par rapport avec implication nous dans bataille que nous avons menée parce que mon yo yo doit vraiment qui bon pour nous aller monsieur. Bon, bon, posez-nous une question, ça, guys. Et, c'est très important, parce que je dis à là, tout le monde est clair, question. Nous, même, voulons perdre du temps, nous, pas citer non, et hypocrite, ça, en parlant de Maurice Jean-Charles. Eh bien, je dis à là, aussi, les mots trop clairs et nets, mesdames, messieurs, que eux-mêmes, ils pas dans la question CARICOM. Et puis, Maurice Jean-Charles, qui t'a bâillé menti, ils ont démenti Maurice Jean-Charles directement, là. Pas qu'il menti, là. Comment vous comprenez ça, monsieur? Non, vous-même, pas qu'il menti dans ça, par rapport avec, position et ambassadeur la Russie question conseil et une question vraiment liée avec question citoyen. En fait, nous voulons que ces deux droites qui pratiquement parlent dans le même sens par rapport avec ça et Maurice Jean-Charles même dit et ça monsieur Damio c'est vraiment la vie avec la journée. Nous pensons que nous vivons dans une situation pour nous accueillir que la déclaration qui était faite au préalable, qui est-ce qui a eu raison et qui est vraiment qui t'a mal menti par rapport avec déclaration ensemble de audio qui te prend la rue. Nous voyons que la Russie lui-même, les vignes démentent et Jean-Charles par rapport avec la position qu'elle dit. Bon. Oui, et là, oui, effectivement. Comment nous va dire, monsieur? Effectivement, oui, mais la Russie démentit Maurice Jean-Charles par rapport à lorsque Maurice dit c'est oui, c'est dans le. Et je dis la Russie montre à la clé, je vais dire là, pas de question que je dis à Maurice. Et où est-ce que parle? Et je vais montrer, mais contrairement avec la Maurice Tabian, c'est deux choses différentes à ma la nuit à la journée, c'est la nuit à la journée. Oui, définitivement, monsieur Charles, c'est roulem de bord, et puis c'est mensonge à pédé ban nous, et que, monsieur toujours voulait faire nous croire que rencontrer des dignitaires russes, du Kremlin, et puis, pas jamais cabane nous, non, moun sa yo, bah, tout bagay ça, c'est fou la politique, et puis qu'on est à bagay au clair que monsieur pas jamais vraiment, rapport avec monsieur sa yo. La PC fait nous croire qu'elle te gagne rapport avec lui, et puis qu'on est allé dans CARICOM, dans le conseil, dans le CP CARICOM, dans le conseil présidentiel là, montrer nous clairement, qui ça, monsieur Saoui, et qu'on n'y a pas gagné, et fou là encore, monsieur choisi quand, si Claude tous ces mêmes bagailles là, si Claude qui te compte, après entrer dans le dossier, Ndagadou insulte que Abinader a fait en République Dominicaine, on est à Ticlode à rentrer non affaire de politique personnelle, c'est pas politique de défense de population encore. Donc, M. Sayo, il a montré clairement que c'est pas peuple à défendre, ça fait pas à défendre cette histoire de rencontre avec des dignitaires et Wissio, nous, well, clairement, je vous dis, que c'était vraiment des mensonges. Et puis, l'autre bagage encore qui est très important dans le dossier et justice pour Jovenel là, fait nous, que moun qui a mené une enquête là, c'est FBI, alors que pas aucun monde qui t'a qu'à venir rentrer là, vient tuer Jovenel, sans que Anthony Blinken ne pas connaît, sans que Joe Biden pas connaît. Bref, département d'État américain avec Washington, pas ta connaît qu'il y a 21 présidents. Donc, l'implication est claire, et c'est eux-mêmes qui des dossiers, et nous connaît que le plus souvent, prennent interrogation sous monde qui servent et qui financent
et coup d'État. Il y a toujours dit c'est Dimitri Vov, c'est Reginald Boulos, et puis c'est Michel Martelly. Et nous pas exclure Anthony Blinken, parce que Anthony Blinken, si Martelly, Boulos, avec Dimitri Vov, te dit, il y a pour le financer l'assassinat journal, si Anthony Blinken te dit non, si l'ambassade américaine te dit non, il va pas faire. Non, li clair, oui, Amade, vous songez sorti que Dimitri Vov te fait, elle te mette Mangou sur tête pour le dire Mangou ami. Le monsieur dit Mangou ami, elle t'a parlé en Daki, c'est quelques jours avant l'assassinat du président Jovenel Moïse. Ça veut dire tout le monde connaît ces nègres là, ou nègres de Gaxaro qui complotait, mélangé avec Américain là, qui chita. Oui. Oui, pas pour sortir, nous se parler de la Russie, que la Russie nous trouve que Libanon, il y a une question de l'origine, qui t'a pas chez Babou, Babou ici. Tant en temps, pour se dire, parti, il dit qu'il rencontre la conseillère au chef d'un pays, la Russie, c'est menti, mais c'est qu'on a baillé. Information de l'intérêt que les jeunes, c'est par rapport avec Préval qui t'a fait monsieur Konal Cuba, venir bien avec mon Cuba, dans son timon de Cuba, parce que Venezuela, il s'est toujours proposé qu'il libère mon la Russie, bon, il sorti à. Très bon, c'est moi qui l'a baillé. Alors, c'est tout le monde qu'on a mis, c'est tout le temps dans mon États-Unis, bah, au prochain, j'ai gagné 1 000 000 000 000 000 000 d'Américains. C'est mon monsieur, c'est ça que des fois, nous toujours abdiqué. Comment monsieur t'a fait dans la question de la Russie, même temps, tout le temps, j'ai États-Unis. Je source, et il y a un monde qui forme et focal en Haïti. C'est mon monsieur, d'ailleurs, nous sommes tous bagages. C'est un monsieur, c'est un qui toujours abdiqué, mon monsieur, pour poser un bon lien avec mon Haïti. Monsieur, évidemment, nous pas prêter sous ça parce que quand même il a coup sous nous. Mais quand même mesdames messieurs, faut nous dire et je pense là son l'autre chapitre qui ouvre là. Chapitre ça nous pas qu'à faire comme si comme ça parce que ça fait quelque temps nous pas parler de question d'être de indépendance là et bien là nous ouais qu'effectivement j'aime dire on m'a nous gardé tout problème avec Jean-Bertrand, président Jean-Bertrand Aristide, mais premier monde qui t'ai ouvert le dossier, c'est l'équipe et la valas là. Et bien, je dis à la, nous, que la Russie retourne sous lui. Mesdames, messieurs, l'ENAP, un gouvernement sérieux. Eh bien, déjà que nous, la France, déjà fini là. Monsieur, pendant qu'on a parlé de la France, nous apprenons que y'a un blackout tout là. Et je salue plusieurs amis qui en France. Monsieur, semble-t-il que, oui, l'Afrique a frappé au tout bon. Eh bien, il y a un pile côté là en France, là, qui est en blackout. Mais je nous dis, nous-mêmes, sous question d'être indépendants, là, n'a fini avec honnête. Et monsieur, je ne sais pas comment nous voyons ça. Comment nous, à l'avenir, nous pourrons retoucher le dossier ça. Les NAP ont gouvernement sérieux, sous même question d'être restitution, réparation d'être indépendants, là. Définitivement, dossier ça son dossier géopolitique et historique lié, dans le sens que c'est sous même menace de prédation occidentale là que tout sociologue et politologue c'est Yuri Le Oconia, groupe criminel cannibale américano-occidental terroriste qui a fait prédation sous pays qui pas gen zam. Depuis un pays pas gen zam géopolitique, il a pris entre la caillou, il volait tout son gain, et puis fait ne pas oublier seulement, c'est pas seulement la France, non, parce que avant de rentrer en 1915, les États-Unis rentraient dans la banque haïtienne, ils volaient réserve l'ONU, et puis ils font banque aux États-Unis, qui est la banque de Philadelphia. Donc, ils ont même tout, nous gagné pour nous demander les États-Unis restitution, l'argent Sahara, capital et intérêt. Donc, étant donné que les États, la Chine et la Russie surtout, demandaient que pour restituer l'argent Sahara, non, donc, n'a qu'un dossier ça d'abord, et dossier ça pour aller justement dans le tribunal international pour faire procès avec la France pour relier le gouvernement Macron, hein, la Cour internationale normalement, pour remettre nous l'argent, capital, intérêt. Et après ça, nous pourrons régler le dossier les États-Unis en tout qui rentraient en 1914 et occupaient nous en 1915 jusqu'à 1934. Pour yo restituer tout ça yo volé dans le pays d'Haïti, surtout réserve l'ONU qui était dans la Banque nationale pays d'Haïti. Bon, ça, c'est question et restitution pour COB, indépendance pays d'Haïti. Hein. C'est tout à fait logique que Jean et Jimmy se disent tout à l'heure, puis Jimmy se disent tout à l'heure, c'est question ça vraiment li gagne yon force dans coup d'état sous Jean-Bertrand Aristide là par rapport avec président Aristide qui demande yo pour être capable de restituer comme ça mais qu'on y a gagné yon bagaille pour nous garder si que nous pas dire ensemble de droit qui
qui légal. Vraiment, monsieur Damien, il n'y a pas à camper en face et président Jean-Bertrand Aristide comme ça. Jean qui a été fait là lorsque il était demandé pour être capable de remettre comme ça. Moi, je pense que c'est tout à fait logique. Faut que nourrir les gouvernements français pour être capable de restituer comme ça. Puisque si nous pas fait le paquet, personne qui a fait pour nous. Puisque vraiment comme ça, l'équité ont ensemble de traces sous pays à, par rapport avec vraiment niveau de misérabilité, niveau de grand goût, tout ça, parce que comme ça, l'idée est pas que l'idée est trace qu'il quitte sous pays. Vraiment, parce que faut que nous essayions de réprimer les messieurs, la justice pour être capable de restituer comme ça, puis comme ça, peu importe les gens qui lui font que lui mette pour payer au moins qu'on est que. Je vais vous couper, pas oublier, je vais à l'entretien. En 2004, il était annulé dette là. Laisse-moi nous entrer dans le dossier qui est son conseil présidentiel là. Et c'est même équipe, et Magali Koro-Denis encore, qui était ministre qui est sûr, était sous le même gouvernement ça. Qui s'est fait en 2004 à Mali. Nous sommes déjà à la tortue qui va dire il y a une toute dette qui va être on a résolu avec facilité. Et pas oublier, non, et j'ai la tortue de Vinan en tant qu'un gros point par rapport à Vinan, bonjour matin, avec le gouvernement qui est Magali Komode Nijotela, qui est question et à quoi Montana, c'est le groupe Montana. Ils ont même annulé dette et indépendance qui va faire comprendre la France. Au gouvernement transition, il va dire un rien pour rien comme quoi et c'est une force et légale qui est capable d'annuler un tel dette comme ça et à Mali en 2004. Et ça fait moins de nous que nous avons ça pour nous là pour une petite bande dette et au plus le pays de Haïti. Et nous avons vu en 2004, nous avons vu dans le point de couper les marrons, nous avons changé les marrons, nous avons vu descendre dans la mer nous là, trois bateaux, nous avons connu qui était salué depuis un. En 1500 combien yo et ben là encore le chauvin dans beau tout ça gagné sous Gérald Attenti Magali Komodeni je dis à quoi Montana monsieur on entre direct là parce que là nous apprendre que jusqu'à maintenant là monsieur semble-t-il que gain complot qu'a fait là mesdames messieurs et question collège présidentiel là il a essayé ouais c'était capable installer dans hôtel et Salomon nous gain information ça. Oui, Jimmy, effectivement, vous avez gagné une question d'installation. Nous avons parlé d'installation du conseil présidentiel là, et bien nous avons dit qu'il y a un pile gros dossier. Et maintenant, information par rapport à Leslie Voltaire, pourquoi pas Tim Lerebi qui fait qu'on visite dans le palais national là, l'intérieur de football qui tape chanté fait Mika là, et bien comme rapport à Alba, il y a tout dit, mais ça y a vivre, ça y a ouais, et bien nous avons parlé. Non, pas les nationales, je dis là, mais c'est pas possible pour eux, normalement. C'est pas possible, et normalement, et question de ce temps. Là, encore une fois, moi, je pense que, et bien, ouais, j'ai à la tortue lui-même, et il m'a dit, pourquoi pas, et messieurs, ils ont pour laisser Voltaire, ils ont même bon côté par eux, ils ont dit, ouais, bah, là, ça va être difficile. Ils ont bon d'avoir contact, nous, semblé CPA, il va pas installer dans le palais national après visite commission sécurité hein, le 22 avril. Hein. Mais plutôt, il a choisi un hôtel Petroville. Il est à préparer et comme preuve en recommandement PNHA, déjà passé l'autre à toute police qui affecte nos communautés là pour présent dans le poste juste 26 mois. Il y a un possible changement lié tout qui envisagé. Et mais il parle de l'installation du conseil présidentiel transition, il est capable de faire tout et mettre dans la mission, dans la ville d'accueil. Et mais mission, ville d'accueil, nous allons parler et Kai Premier ministre, vous connaissez le Premier ministre qui va se faire dans la ville d'accueil là. Ça veut dire que son possibilité pour l'installation faite dans le palais, et mais pas que ça pièce encore deux personnes, Richardson à Malik. Nous avons un conseiller eux-mêmes, nous avons un côté pour mettre le coyo parce que la situation. C'est pas difficile, compliqué, Jimmy. Oui, gagner une bille en ce qui est descendu dans la boucle aujourd'hui. L'autre monsieur qui t'accompagne, on a une question d'éléments, et puis ici Voltaire.
Et puis, on prend comme gros expert, comme si nous avons son expert, qui fait venir garder pour les possibilités, pour capable, ouais, comme le café installation. Bon, il m'a bien noté la connerie, il est toujours côté non ça. Dernièrement, on a entendu le doute dans la cassation. Sinon, tout le monde a dit, on a marché dans la cassation qui est dit, on sait le coup d'argent, coup de guidon. Il y a un talent au conseil présidentiel, son ex, c'est comme ça fonctionne et tout. Et comme ça fonctionne, il y a un ballon expert, alors qu'il y a une secrétaire d'État sécurité publique, il n'y a pas de chambre de l'essayer de le tenir comme ça. Bon, on va si nous venons à paniquer, il y a un rapport qui sorti, côté des six votes, on comprend qu'il y a des pourquoi aucune possibilité là, pour t'avoir une fin installation ça là, dans le conseil présidentiel là, là. Mais, toutefois, il y a un bruit qui a couru, tout le monde a fait le même nom et tout. Il y a un bruit qui a couru n'importe quoi, c'est même nom et tout qui a fait le tout. Oui, ça, c'est qu'il y a un qui a ça veut dire, faut lever tout le temps, pendant qu'on a parlé là, ça veut dire que, faut lever là. Mais c'est une raison, nous voulons préciser pour vous, mesdames, messieurs. Oui, non, même dans les salles là, nous disons, et pas des cartouches qui ont tiré là, nous voulons prendre toutes ces maintenant. Donc, monsieur, mais c'est ça, oh. Comme si, ça veut dire que y'a tellement ras, y'a tellement comme si, ouais, y'a pas gain rapport, y'a pas qu'à faire installation dans le palais national, qu'on y a là, c'est question hôtel, y'a pas gain là, y'a pas gain côté, population rejeté cadavre ça y'a, hein, virus ça y'a, population pas v'lé nous, qui ça y'a pas comprendre? Monsieur, qui motivation moun y'a comme ça? Bon, m'pap dit moun, bête sauvage ça y'a, qui motivation y'a comme ça? Étant donné, peuple haïtien rejeté y'a vomi y'a, qui ça y'a pas comprendre là, monsieur? Qui ça vous pas comprendre là? Et monsieur, bon, nous explication pour nous. En fait, vous savez que monsieur, aujourd'hui, n'a pas gagné la capacité pour comprendre que la population en Italie, question, c'est plus ça. Monsieur, vraiment, il y a des faits ou du moins des travail personnel qui propre à eux, ou du moins si on coupe, que vous venez faire par rapport avec envie que vous avez gagné pour être capable d'avancer avec le conseil présidentiel là. Nous voyons que dans le moment, il est difficile pour monsieur Yoyo qui peut permettre cette masse là, ou du moins en bas la ville, dans l'espace côté palais national là, il y a, et vraiment avec Himmler et Bus, et nous fondons monsieur ça depuis quelques temps, qui a proposé des solutions de sécurité dans toute radio dans Port-au-Prince, et il dit que il n'est pas la question. Et conseil présidentiel à cette tête-là, l'immunité d'un coup de cassation, mais dans le moment que nous avons parlé là, nous avons eu le fait partie de commission de sécurité pour capable permettre CPA de prêter serment. C'est vraiment inacceptable, ensemble de monde d'ailleurs, j'ai dit, mais là, c'est des mêmes que population a rejeté, c'est des monde qui n'a pas gagné qu'une crédibilité de la part de l'ensemble de monde qui est dans la société. Et qui peut être capable d'essayer d'avancer malgré de pas gagner confiance population. Je me dis, c'est des gens qui gagnent des objectifs personnels, c'est des gens qui gagnent des travail que vous venez faire. Assurément, ensemble de gens qui sont dans la diaspora, autrement, dans des zones qui sont très difficiles dans le pays, il n'y a pas besoin de gagner une possibilité de capable fonctionner libre et libre dans le pays, monsieur. Et fanatique mon affaire motivée, vraiment, c'est des mecs qui gagnent des objectifs personnels à des fins personnels, soit qui viennent faire l'argent ou du moins qui viennent travailler pour bosser, mais qui t'a vivre pour venir rendre pays à un service, l'engadi, parce que yo et incapacité que yo gagnent pour yo capable statuer yo dans une place bien particulière. Bon, moi, je gagne un mot. Pour résumer, Monsieur Sayo pas gagné à voir avec population haïtienne, non? Surtout population haïtienne qui chômeur ou bien travailleur, pas gagné à voir ni avec classe moyenne. Je considère peut-être au-dessus de nous parce que son bonne qui gagne plombe, qui gagne doctorat et puis qui pas gagné à voir avec peuple haïtien. Nous avons un mot pour nous dire, monsieur Sayo, ce sont des congés, des apatrides, des patripos surtout, et puis des mercenaires politiques, c'est ça, oui. Et qu'on n'y a eu pas de choix, parce qu'il y a l'argent, non, même, qui c'est Anthony Blinken, pour yo faire ça, faire l'argent, non, mais yo, yo, si nous est mort, yo pas qu'on ça pour yo faire, et yo pas qu'à faire bac. Et j'ai l'impression avec qui, monsieur, rebelle tête ensemble, c'est la mort après contre monsieur ça ou bien confrontation. Donc, il n'y a pas de choix parce que l'agent Chango n'a pas eu et l'agent Chango sont l'agent qui choque. Alors, c'est ça qui a privé monsieur ça là, dans la cupidité, et puis, dans
mentalité patripoche de vago l'oreille qui orient dans le pays et puis conseil national c'est ça qui peut arriver parce que yo pas prend un peu bagaille là yo pas considérer bagaille là parce que là aller dans carré comme là yo signé un bagaille qui très 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 dangereux pour yo c'est que yo signé en même temps pour faire une force rentrer dans le pays et force qu'a rentrer dans le pays là li pas bon pour ti monsieur qui vient mettre tête yo dans soi-disant rebelle et vivre ensemble. Donc, c'est que le conflit est inévitable entre M. Sayo et monsieur conseil présidentiel. Parce que si M. dit, quel que soit côté M. Sayo, a réuni pour qu'il justifier la guerre, il même y a rentré et puis il y a tiré balle. Pour un point avec ça aujourd'hui et camarades, fondi nous connaissons un pile là-dedans avant que vous rentriez dans le conseil là qui patte la question force multinationale de soutien qui a supposé venir en Haïti. Mais lorsque CARICOM dit ça, il pratiquement fait partie de point essentiel. Si pour le monde dans le conseil présidentiel, il faut que vous d'accord que la force multinationale a été venue. Vous voyez bien qui fait silence parce que c'est des patrons proches. Il y a des objectifs qui personnels avec eux, mais qui parlent des objectifs pour la population. Il m'a dit, PDG Jimmy Soudia, merci la politique qui gagne ici, son équipe pour faire toute bagarre pour le capable de faire quoi. Dernièrement, là, M. Clair, dans toute radio, je ne sais pas si là, là, M. c'est une bagarre pour cassation qui est dit, M. Moutoua, dans n'importe moment, pas une question de pour installer le conseil présidentiel, c'est 9 mois là. M. Tapaché font pèlerinage dans toute radio, qu'on est dans n'importe quoi, pour montrer que le conseil, ça, c'est son mal et la pibou pays, si ça t'a bien installé. Bon, qu'on est en seul coup là, M. fait pour qui dans ça là. Mais forme de M. c'est comme ça fonctionner, son équipe pour faire toute bagarre pour faire l'argent. Nous rappelons que M. était ministre de jeunesse avec sport. Nous sommes mis c'était pour un petit délimité comme chef cabinet l'époque tel ministre jeunesse export retourner ça a commencé à faire bah ça a commencé à faire dans la presse monsieur dit petit mon informé il y a l'école il y a là mon dit non mon cher qui sont petits quoi pour petit pour mettre chef cabinet pour prendre tout le madame mon femme mettre tout dans cabinet puis une administration tout bas tout ça ils sont qui toujours prêt pour faire l'argent son l'argent te gain qui fini là on a la fouille pour là pour laisser l'argent notre poisson comme pour venir faire l'argent et les monsieur qui était ministre jeunesse export nous sommes ces œufs pour oui, avec conseil des pipi, mon employé l'autre bord, il prend mes temps, battait pour tirer des missiles, tout comme Michel était bon, il y a un bel soudé, couille avec lui, avec Dieu pour lui soudé. Parce que son équipe, est-ce que même j'ai heureusement pas de là, qui faut dans la radio, faut chaque. Nèg sa ou pren pour aller parler dans la radio, vin montrer que c'est go technicien. Pourtant, quand yon nan conseil pas réglé, en essayé, monsieur, même si nèg a heureusement bradel, ou déjà j'aime s'écraser. Tant pour lui, car il même heureusement bradel là, il m'a aidé, même si nèg sa ou c'est l'argent, il peut dire que monsieur, on sait le coup là, il faut un coup de guidon. Et après, moi, j'en chale café coup de guidon, monsieur, c'est un nèg pour qu'on fasse nos veilles ici. Ouais, c'est nèg sa est conjuré, il range l'école là, il est attendu qu'on est à la diva, il y a un problème là. Pour force entrer, il va y avoir un problème avec le conseil présidentiel. On fait un peu besoin d'une foule de corps pour venir faire quoi. J'ai le bon habitude de faire ça. Ok, monsieur, bon, une seconde. Là, moi-même, pour aller sans filtre, parce que faut nous poser nos questions, mesdames, messieurs. Nous-mêmes, qui absurde là, évidemment, nous féliciter, monsieur, vivant sans mieux, dans qui sens, le fait que nous toujours demandons, au prince amenant, virer contre le monde qui connaît bon amis. Dans ce sens-là, en tout cas, c'est ça que vous montrez nous. Vous montrez nous que vous virez amenant. Mais pour moi, être avec nous, m'a posé nos questions ça et quel niveau satisfaction nous de travail ti monsieur Amé ça ti monsieur vivre ensemble ça ti monsieur rebelle yo quel niveau satisfaction nous mesdames messieurs depuis que mouvement ça a commencé là quel niveau satisfaction nous c'est sûr certains nous dit gain plusieurs magasins oligat compio qui bouler nous ouais hélicoptère vinn chercher yo bateau vinn prend yo avion vinn prend yo dans sens ça nous ouais travail là mais est-ce que travail là pas dû aller plus loin. Je dis à la, qui s'accrète pour que population, peuple là, pas lever campé? Qui s'accrète? Ça, c'est la première question. Deuxième question. Est-ce que nous satisfaisons tout le monde de travail, si monsieur vivant ensemble, ou du moins à qui pourcentage? Parce que, m'a regardé là, équipe Ariel là, équipe André Michel, nek sa yo là, pas gué yon, pourquoi gué yon nan nek sa yo, même yon petit zone yon pas cassé. Comme si tout le monde connaît qui hôtel. M'a pas le dire que ça pour faire, parce que c'est yon expert dans matière là. Mais, moi, obligé poser une question ça, monsieur. Dans quel niveau nous satisfait de monsieur Sayo? Là, nous, on coulève cette tête, vite apparaître tête là. Yo, c'est dans le pays, yo, yo, dans l'hôtel. Comme si, dans quel niveau nous satisfait? Qui pourcentage satisfaction nous de travail, monsieur vivant Samyo,
puisque nous monsieur ça toujours là même yo zon yo pas cassé et m'pa continuer si nous parler monsieur sinon ça 1 sur 100 il va gagner pour même c'est 1 sur 100 pour que ça fait 1 sur 100 yoyé c'est parce que yo pas connent vraiment ça relé stratégie de guerre yo pas connent vraiment parce que si yo te connent yo t'a fait plusieurs chapitres. Il a fait plusieurs chapitres de légitime défense. T'as bien un chapitre qui focusait, qui orientait sur les oligarques. T'as bien un chapitre qui orientait vers les politiciens patriposches. T'as bien un chapitre qui orientait vers la police et l'armée qui effectivement campait face à révolution et face à proclamation et acclamation Guy Philippe là. T'as gagné un autre chapitre qui vraiment focusé sur palais national. Donc, monsieur, ça aurait fait seulement, c'est dans avantage, pour aller rentrer dans le magasin, oligatio, piller, pour comprendre, prendre tout ça, qu'à prendre, faire ou pas qu'à prendre, au boulet, et puis, il a réussi, à un moment donné, et voyez, quelques gangs dans le quartier, oligatio, dans le quartier bourgeois, faire pour un hélicoptère, aller en République dominicaine. Et depuis que ça, aller en République